Quand j'étais petit, j'étais naïf, j'étais gentil. Et chaque dimanche à mes sorties, j'interrogeais ma mère. Je posais constamment, et des pourquoi, et des comment. À quoi ça sert ceci maman, et ça pourquoi c'est faire. Pourquoi donc papa a qu'un moustache et puis boumba. Et pourquoi donc grand-mère en a presque autant que grand-père. Quelle chose singulière, c'est des drôles d'affaires. Je voudrais qu'on m'éclaire et pour mieux comprendre tout ça. Dites-moi ma mère, dites-moi ma mère. Pourquoi les chiens dans la rue sont dessus. Dites-moi ma mère, dites-moi ma mère. Pourquoi qu'on leur jette sur le dos des grands seaux d'eau. Dites-moi c'est curieux pourquoi les éléphants ont une queue derrière et une autre devant. Dites-moi ma mère laquelle dit leur sert pour montrer qu'ils sont contents. Même à 18 ans j'étais encore un grand enfant et je demandais souvent des renseignements à ma mère. Quand vient le printemps lui disais-je pourquoi donc je tends malgré moi l'oreille quand j'entends les chats dans la gouttière. Je voudrais bien savoir pourquoi les dames sur le trottoir me disent bon blond viens me voir. Qu'est-ce qu'elles veulent donc me faire. Pourquoi la crémière, la petite charcutière, même la teinturière m'attire derrière leur comptoir. Dites-moi ma mère, dites-moi ma mère. Pourquoi j'ai comme l'impression d'être sous pression. Dites-moi ma mère, dites-moi ma mère. Pourquoi je fais chaque nuit et rêve si nourrie quand la pomme m'apporte mon chocolat le matin. Pourquoi je me sens épourri dans les mains. Dites-moi ma mère, la clé du mystère. Vous faites-moi un petit dessin. Dites-moi, dites-moi. Dites-moi c'est curieux pourquoi les éléphants ont une queue derrière et une autre devant. Dites-moi ma mère laquelle qui leur sert pour.